Hey, bonjour à tous, bienvenue sur Transport Fever 2, pour changer j'ai envie de dire. Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le jeu, l'éternel jeu j'ai envie de dire, j'y passe ma vie en fait. Pour une nouvelle vidéo, après quelques temps, une vidéo sérieuse. Non mais c'est une vidéo de construction où on fait quelque chose et pas un peu de contemplation comme j'ai pu faire par le passé. Donc voilà, nouveau concept de vidéo comme vous avez pu le voir avec ces petits clics d'appareil photo. En fait c'est une vidéo simplement et dans la même lignée, donc toute une série qui devrait prendre place autour du making of de Screenshot. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai choisi une petite architecture de vidéo un petit peu particulière avec ses pauses très régulières, environ je dirais comme ça toutes les 30 secondes pour un petit screenshot qui montre l'avancée de la map, et ça me permettra, vous allez voir à la fin, de faire quelque chose qui est, je trouve, plutôt satisfaisant, c'est de voir vraiment tout ce décor qui arrive au fur et à mesure que finalement ça avance. Ça m'a pris du temps à faire, j'ai dû un peu me forcer à ne pas oublier justement de prendre ce screenshot toutes les 10 minutes, mais je trouve que le rendu est vraiment sympathique. Donc comme vous pouvez le voir, on prend les chemins d'une gare du coup, et d'une gare orientée PLM. Le pourquoi du comment, en fait cette série va être très liée à un événement de la communauté Transport Fever France, à savoir les concours de screenshots qui ont lieu. Alors je vais pas dire un intervalle de temps, mais globalement tous les mois, toutes les deux semaines, ça dépend à peu près de l'organisation. Mais des concours de screenshots qui rassemblent quelques membres. Et donc autour de ce concours, il y a forcément un thème. Cette semaine, pour cette édition en tout cas, le thème était les gares d'architecture PLM, le mode fait par Jorg, qui donc ajoute ces bâtiments et ces quais, enfin bref, toutes ces gares finalement, inspirées très fortement, voire même des reproductions, des gares PLM, donc du PLM en France. Et donc il fallait mettre en avant au moins un bâtiment de ce pack d'architecture sorti sur le workshop. Je vous remets le lien en description si vous êtes intéressé à tout hasard. Alors ça peut paraître un peu particulier ces coupures, mais je préfère me dire que je vous laisse tranquille le temps des petits récaps de screenshots. J'arrête de parler un petit peu. Mais du coup cette gare PLM, avec petite particularité de celle que je fais là, puisque elle ne possède pas de bâtiment voyageur, ça vient pas de mon imagination, puisqu'en fait c'est une gare complètement réelle, une gare qui existe réellement avec une réplique plus ou moins fidèle. Cette gare, c'est donc la gare de Blaisy-Bas, qui se situe entre La Roche-Migène et Dijon, donc sur le PLM. Une gare, comme je vous ai dit, qui n'a pas de bâtiment voyageur, puisqu'elle possède des caisses centraux. Enfin, moi j'ai envie d'appeler ça centraux, mais en îlot, j'ai vu aussi. Enfin, je sais pas trop comment on appelle ça autrement. Mais du coup, un bâtiment voyageur qui, dans la vraie vie, existe, il faut le préciser, mais qui n'est pas représenté dans mon screenshot, puisqu'il se situe en fait derrière l'angle de vue de la caméra. Mais sinon, il existe sur le bord de la voie, il sert à rien probablement, mais il existe. Donc vous pouvez voir le timelapse qui se poursuit avec donc, la progression. Je pense qu'on s'en rend pas forcément bien compte dans le timelapse à quel point ça avance, mais quand on regarde, vous verrez à la fin, tous les screenshots bout à bout, ça rend vraiment bien. Pour vous situer un peu la gare aussi, donc une gare qui se situe à un moment où on est sur une fin de 4 voies, je pense que ça sert un peu de gare de régulation, puisqu'on trouve le tunnel de Blaisy-Bas, qui est un très long tunnel sur le PLM, qui se situe donc juste en sortie de gare du côté non représenté, où ça repasse sur deux voies avant d'entrer dans le tunnel, qui doit être à 500 mètres de la gare à tout casser. Donc une gare assez stratégique dans la vraie vie, je pense, même si évidemment on est dans une gare
où il n'y a plus beaucoup de trains et le PLM a quand même perdu de sa valeur, même si tout le trafic TGV pour Dijon passe par là, puisqu'on est entre Montbard et donc Dijon, donc après la bifurcation TGV. Écoutez, je pense qu'en fait j'ai pas des masses de choses autres à communiquer sur cette gare, sauf peut-être vous demander votre avis sur ce petit concept de vidéo, si vous trouvez que peut-être c'est trop rapide. J'ai fait en sorte de tout condenser en une seule et unique vidéo, je trouvais ça beaucoup plus cohérent on va dire. Donc globalement l'ensemble du temps de construction que j'ai passé c'est représenté dans ce timelapse. Ça représente pour moi un certain temps parce que j'essaie de m'appliquer quand je fais ces screens là, mais je vois juste que n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Également, pour vous donner une petite notion de temps, en fait, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas faire ça. Comme je fais tout en timelapse, c'est que je me chronomètre, en fait, pour pas oublier de faire les screens. La notion de temps passé sur l'ensemble de ce diorama, de ce petit screenshot, j'ai passé 4 heures à faire cette scène. Ça peut paraître beaucoup, en timelapse, on arrive à un résultat correct de 14 minutes en accéléré et en coupant des choses, mais voilà. En tout cas, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et moi, je vous laisse là pour la fin de la vidéo. La fin du timelapse et quelques petites photos à la fin. Allez, rendez-vous à la prochaine. Ciao!
La vidéo touche à son but et je reviens juste pour vous rappeler qu'en fait, n'hésitez pas à venir sur le Discord Transport Suiveur France pour participer à ces concours. On s'en fiche, enfin, il n'y a pas d'attente nullement, mais c'est juste tellement satisfaisant et tellement bien pour l'organisation de se rendre compte qu'il y a du répondant, du participant à ces concours, ça motive encore plus à faire de nouvelles choses. Eh bien écoutez, bonne fin de vidéo et ciao !